Pour les surfeurs, la seule dimension vivable est celle du globe. Seule frontière admise, celle des vagues. Ce dernier investit dans la panoplie, mon œil pour la couleur du corps, eau oxygénée pour celle de la chevelure, lexique anglo-français pour la conversation et pour essayer de décrypter surfeur ou surfing magazine, et puis le short, la chemise et les chaussures. Il arrive sur la plage aux heures de pointe, garde sa voiture face à la mer et scrute le rivage en décrétant que de toute façon aujourd'hui il n'est pas en forme ou que les vagues sont trop petites pour qu'il consente à mouiller sa planche. Quand il est un peu plus téméraire, il va quand même à l'eau et sa copine, les yeux rivés sur la ligne bleue des vagues, doit pouvoir l'assurer que son cutback était extraordinaire et ses roller coasters incomparables. De toute façon, il ne cherche pas à établir des performances. Le plus important pour lui, c'est d'assurer son look auprès des copains. Enfin, bien évidemment, ces portraits ne concernent pas les vrais sportifs, ceux qui sont à la canoë et qui surfent même en hiver si les vagues sont bonnes. D'ailleurs, je suis certaine qu'ils n'ont pas pu se reconnaître dans ces clichés rapides.